a aussi dit qu'on s'était moins bien en termes de contenu sur les derniers matchs. Même moi, je l'ai un peu dit. Mais on est quand même la seule équipe à avoir marqué à tous les matchs. On est l'équipe qui a le plus grand nombre de buteurs différents depuis le début de saison. C'est que quelque part, c'est pas mal aussi. Si vous jouez contre certaines équipes, vous savez d'où vient le danger. Aujourd'hui, en jouant contre Bordeaux, même si pour nous, le staff aussi, c'est parfois compliqué de l'analyser, peut-être pour les adversaires, c'est peut-être plus compliqué de nous lire aussi, parce que ça ne vient pas nécessairement que sur des attaques placées ou que sur des contre-attaques, ou plus du côté droit, ou plus sur coup de pied arrêté, non, parce qu'on a un mélange de tout ça. Depuis le début de saison, Reims a raté que deux matchs, en théorie, c'est tout. Le reste, ça n'a pas été mal. Et je crois que c'est surtout les joueurs eux-mêmes, la presse locale, le président qui ont un peu fait monter le soufflet, mais il n'y a rien de dramatique à perdre deux matchs de suite. Avant d'aller à Guingamp aussi avait pris beaucoup de buts.